Cette vidéo devrait déclencher une réaction chez vous. Amen. Est-ce que vous êtes là, Église Le Portail? Yes. Quelle joie de se réunir ensemble. Nous voulons être une Église qui déclenche la foi ou qui même redéclenche la foi en Jésus-Christ chez les gens, qu'ils soient croyants ou non croyants. Amen. Nous voulons déclencher la foi. Cette semaine, mon ami Jimmy en a parlé brièvement, mais nous avons fait l'aventure « J'aime mon voisin ». Et en fait, en gros, « J'aime mon voisin », ça l'initie la rencontre entre des gens qui ont besoin d'aide, qui ont des besoins et sont jumelés avec des gens qui offrent de leur aide en tant que bénévole. Et alors que je pensais à tout ce qui prenait place de magnifique au travers « J'aime mon voisin », et je pensais à ce jumelage que nous faisions, j'avais cette pensée que moi-même, en tant que chrétien ou moi-même, juste Maxime, j'ai souvent besoin d'aide. J'ai souvent besoin d'aide dans ma propre vie. Je ne sais pas toujours comment gérer les situations. Je lutte avec mon comportement, je lutte avec mes attitudes, je lutte avec mon péché. Et je priais, je remerciais Dieu de quelle grâce qu'il soit venu au milieu de nous en envoyant son Fils Jésus. Il est mon sauveur et ainsi il s'est jumelé à moi pour venir à mon secours. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu qui s'est jumelé, qui a initié cette rencontre entre l'être humain qui avait besoin d'aide. Et moi, ce n'est pas une béquille, ce n'est pas juste un aide, il est mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur et nous voulons être cette Église qui initie cette rencontre entre Jésus et toi. Nous voulons être cette Église qui initie cette rencontre entre Jésus et toi, et ton voisin, et ton collègue de travail, et ton meilleur ami, et ton ami d'enfance, et tes enfants, et tes parents, et ton conjoint ou ta conjointe. Nous voulons déclencher la foi dans ces gens. Est-ce que je peux entendre un vrai amen, Église? Nous voulons être cette Église qui déclenche la foi et qui rejoint ceux qui n'entendent pas parler de Jésus. Ceux qui sont répugnés par l'Église, ceux qui sont répugnés par la religion, ceux qui sont sans espoir, qui sont liés dans toutes sortes de dépendances, ceux qui sont convaincus qu'il y a plus dans la vie que juste cette vie ici-bas, mais qui jamais ne penseraient que la solution serait en Jésus. Nous voulons être un message d'espoir, nous voulons parler, proclamer fort, haut et fort, Jésus, sans honte. Afin que la foi soit déclenchée dans leur vie. La foi en Jésus. Avez-vous remarqué que je n'ai pas mentionné que nous existions pour des croyants? À la base, l'Église de Portail n'existe pas pour attirer, nous ne voulons pas attirer d'autres chrétiens, d'autres croyants dans notre Église, parce qu'on est intelligent. C'est une question de marketing. Il y a un bassin beaucoup plus large à rejoindre. Il y a un bassin beaucoup plus large à rejoindre et on se dit, on va aller chercher les non-croyants, on va aller chercher ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui sont perdus, ils sont sans espoir. Alors, si tu t'es joint à l'Église Le Portail dernièrement, si tu es en réflexion peut-être pour te joindre avec notre Église, j'aimerais te dire, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, on est content que tu sois là. Je prie que vraiment tu te sentes à la maison ici au Portail, mais sache que nous avons une mission. Nous avons ensemble, nous existons pour les autres. Nous avons cette mission commune de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec. Yes, ça commence à se réveiller, Église. Good. Alors, voulez-vous savoir comment nous allons déclencher la foi chez les gens? En étant nous-mêmes déclenchés. En étant nous-mêmes déclenchés, en étant nous-mêmes plus profonds dans notre foi et dans notre relation avec Jésus. Cette thématique déclencheur, où on va aborder différents déclencheurs durant les prochaines semaines à venir, est née au travers d'une lecture d'un livre de Andy Stanley qui s'intitule « Deep and Wide ». Profond et large. « Deep and Wide ». Et Andy Stanley offre cette pensée que si nous voulons être une église qui rejoint une multitude, nous devons d'abord être profonds dans notre relation avec Dieu. Nous avons besoin d'être d'abord convaincus nous-mêmes, profonds, vivre quelque chose de vrai, d'authentique, de réel, de concret. Il dit, tu ne peux pas être un croyant profond avec Dieu si tu n'as pas cette pensée pour les autres, pour l'humanité, pour ceux qui sont perdus. Deep and wide.
Et dans les semaines à venir, on va voir différents déclencheurs ou même redéclencheurs de foi afin que notre foi grandisse ensemble, afin que nous ayons cette conviction que Dieu est qui il dit être et qu'il fera ce qu'il a promis de faire. Le premier message de ce matin, mon titre, c'est une prédication pratique. Une prédication pratique. Je dis à mon épouse, ce qui est le fun d'être dans une thématique, c'est que le titre de notre thématique est extraordinaire, alors je n'ai pas besoin d'avoir un titre de message extraordinaire. Donc, une prédication pratique, tout simplement. Qu'est-ce que c'est une prédication? C'est la communication d'une vérité biblique. La prédication, c'est la communication d'une vérité biblique. Et cette communication doit être pratique, doit être utile, pertinente, applicable. Et je crois qu'à l'Église de Portail, nous faisons tout en notre possible. Nous nous efforçons d'être le plus en plus et de plus possible à chaque semaine offrir une prédication pratique que nous pouvons appliquer à nos vies. Amen? Pourquoi une prédication pratique? Parce que plusieurs d'entre nous, on se rappelle justement la première fois que nous avons, que la Bible est devenue concrète dans notre vie. Que la Bible est devenue pratique, pertinente, applicable au travers d'une prédication, un message. Peut-être c'était à notre église, peut-être c'était à l'église de ton enfance, peut-être même que c'était sur Internet. Mais tu te rappelles de ce moment-là où on dirait que le message est devenu « Oh, c'est du concret, je peux l'appliquer dans ma vie. » Et on a tous ce souvenir d'un message particulier qui nous a amené à désirer lire la Bible, à en savoir plus. Lorsqu'on venait les dimanches, on prenait des notes, on avait un intérêt grand. Plusieurs d'entre nous, on se rappelle de ce déclencheur commun, d'une prédication qui était pratique. Souvent, on dit, souvent les gens me disent, « Ah ouais, mais j'ai entendu un message. J'ai entendu un message, une prédication, ça a fait une différence. » Et il y a certains d'entre nous qui, on avait entendu on avait entendu la Bible souvent, des messages souvent, on avait été exposé à la Bible pendant de longues fois, de plusieurs fois, mais c'était la première fois qu'on comprenait vraiment ce qui se passait. Il y avait comme une fraîche révélation. Moi, je me rappelle, mes parents m'ont traîné à l'église quand j'étais enfant, et je me rappelle ce dimanche particulier, où ce que, étant un peu plus timide, je n'allais pas dans les locaux pour les enfants, puis j'étais resté en bas avec mes parents pour écouter le message du bon vieux Pasteur Sam, notre pasteur d'église. Il prêchait et honnêtement, je me rappelle zéro du message. Probablement que je dessinais des petits bonhommes à côté, je ne sais pas. Et je me rappelle juste la fin de son message. Je me rappelle même pas du sujet, en fait. Je me rappelle qu'il était là, il prêchait, puis un moment donné, il arrive et il dit, « C'est comme dans le sport! » Et là, mes yeux se sont illuminés. Oh, il commence à parler de sport, il m'a accroché. Il donne cette illustration, et je me rappelle comme c'était hier, que alors que dans le sport, même dans le sport automobile, lorsqu'un conducteur automobile finit, franchit la ligne d'arrivée, il est premier, il est le vainqueur, même s'il est tout coincé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever les mains dans les airs. Il dit, dans tous les sports, lorsqu'on score un but, lorsqu'on est victorieux, lorsqu'on a la victoire, les sportifs ont cette réaction de lever les mains dans les airs en signe de victoire, de victorieux. Il dit, en Jésus-Christ, nous avons la victoire et nous pouvons lever les mains dans les airs. Amen. C'est pourquoi il y a des croyants qui, à l'église, le dimanche matin, lorsqu'on chante, lorsqu'on déclare cette vérité de Jésus, lève les mains dans les airs. Tu as le droit de lever les mains dans les airs ce matin. Est-ce que tu peux lever les mains dans les airs? Tu as victoire, tu as scoré un but, tu es victorieux. Et c'est à ce moment-là, j'étais en deuxième année du primaire. J'avais peut-être 7-8 ans et c'est là que j'ai catché Jésus. J'ai catché que j'étais victorieux en Jésus puis j'ai levé ma main. J'ai levé ma main aussi. On se rappelle de ces moments-là. On se rappelle de ces moments où la prédication est devenue pratique dans nos vies. Jésus avait une prédication pratique lui-même. J'aimerais lire un court passage avec vous parce que ça fait déjà 10 minutes que je prêche. Mais de la première prédication de Jésus, qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Et si tu lis, c'est en Matthieu 5 et ça va jusqu'au chapitre 7. La prédication de Jésus, un de ses premiers messages, du moins le premier qui est répertorié, Sermon sur la montagne, qui est une longue prédication. Si tu nous trouves long les dimanches matins, tu n'as jamais entendu Jésus prêcher. C'est fou. Puis en plus, il ne parlait même pas de sport, là.
Et Jésus prêche. Et voici à la fin de son message, Matthieu chapitre 7, verset 24. On va lire ensemble cette dernière portion de son message. Il conclut ainsi. On regarde la première prédication de Jésus et il conclut ainsi. Matthieu 7, verset 24. Si tu as ta Bible, tu peux tourner. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Verset 28. Deux petits versets qu'on va s'attarder ce matin. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avait pas leur spécialiste de la loi. Avant d'évaluer le message, avant de regarder tout ce que Jésus a dit, regardons un peu au messager. L'auteur nous parle que le sermon est fini, tout a été dit, mais Matthieu nous rappelle qui a prêché ce message-là. Jésus a fini de parler. Ce n'est pas n'importe quel prédicateur, c'est Jésus. C'est pas n'importe quel prédicateur. Et pourtant, les gens le connaissaient comme le petit gars du coin, le petit gars de Joseph, un vulgaire charpentier, un jeune homme qui a grandi dans une ville perdue où il n'y a rien qui se passe. C'est un trou, c'est perdu, c'est lointain, il n'y a rien qui vient de bon. Ce jeune homme-là, il n'a aucun enseignement, il n'a pas été une éducation avancée. Alors, les attentes sont très basses. Puis il commence à parler, ça surprend les gens. Mais voyons donc, c'est le petit Jésus. Le petit Jésus, le charpentier, le fils de Joseph. Voir que ses paroles sortent de sa bouche. Dernièrement, mon petit gars, il y a 3 ans, puis on est dans une situation autour de la table, puis on demande quelque chose à mon gars, et mon petit gars dit, il me regarde, il nous regarde, puis il dit, « Est-ce que tu me niaises? » Et là, on n'est pas sûr qu'il a-tu vraiment dit ça? Est-ce que tu me niaises? Et là, on dit, qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que tu me niaises? Et là, on n'est pas sûr si on doit être offensé ou juste rire. De où a-t-il pris ça? De la même manière, comment c'est sorti de sa bouche? Et les gens regardent à Jésus, c'est un peu la même réaction. Comment ça peut sortir de sa bouche, lui qui est sans éducation? Et au début du message, on voit en Matthieu 5, il était juste avec ses disciples sur une petite montagne, une butte, et il est là, il commence à parler. Mais quand il commence à parler, il y a quelque chose qui se produit. Ses paroles peuvent déclencher la foi. Il y a quelque chose de spécial avec le message de Jésus. Ça déclenche la foi et il attirait des foules. En premier, il attirait les foules, non pas à cause du contenu de son message, parce que les gens comprenaient souvent rien du message de Jésus, même ses disciples. Mais au début, les gens sont attirés par qui il est, parce que Jésus nourrit les gens, parce que Jésus guérit les gens, Jésus relève des gens, promet, aime, donne un message d'espoir. Alors les gens sont attirés vers sa personne et vers qui il est, parce que qui il est extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Alors, si tu te demandes pourquoi on lit la Bible, pourquoi tu m'écouterais ce matin, pourquoi à l'Église Le Portail, on met tant d'importance sur ce livre, pourquoi tu devrais croire en ça, pourquoi je crois qu'en lisant un texte, ça peut déclencher des choses dans ta vie et même la foi, parce que c'est Jésus qui l'a prêché, parce que c'est Jésus qui l'a communiqué. Et ce matin, moi, tout ce que je fais, c'est que je rapporte les paroles de Jésus. Vous savez, tous les communicateurs de ce monde sont connus à cause de ce qu'ils ont dit. Hein, par exemple, Martin Luther King est connu parce qu'il a dit ce speech, là, ce discours « I have a dream ». Il est tout de suite immédiatement connu. Jésus est l'un des rares qui est plus connu que ce qu'il a dit. Tout le monde sait qui est Jésus historiquement, en tant que personnage. Tout le monde sait ce qu'il... Mais peu sait ce qu'il a dit. Sa personne surpasse ce qu'il a dit.
Il ne faisait pas juste parler. Il a démontré par ses miracles qu'il était tout-puissant. Il a démontré par sa vie, sa perfection et son amour qu'il était parfait. Il a démontré par sa mort et sa résurrection qu'il était Dieu lui-même. C'est Jésus. C'est Jésus qui a prêché. Et alors qu'il prêche, la foule est attirée. Le texte nous dit que les foules étaient impressionnées par son enseignement. C'est une prédication qui impressionne. C'est une prédication qui surprend, qui bénit, qui impacte. Je ne sais pas pour vous, je fais une parenthèse, mais je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que dans les dernières semaines à l'église de Portail, j'ai été impressionné par les prédications de qualité qu'on a eues. Amen. Je parle de mon ami Jimmy qui a prêché, je parle de Ralph qui a prêché, je parle de différents prédicateurs qui sont venus cet été et qui ont vraiment béni notre église. Je fais juste une parenthèse, est-ce qu'on peut juste les remercier pour bon travail? Il amène des prédications pratiques. Jésus commence à prêcher et ça impressionne les gens. Mais qui est ce Jésus? Qui est-il? C'est surprenant. Alors qu'il dit des choses comme en Matthieu 5, verset 17, il est dans son élan, dans son speech, puis il dit « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour les accomplir. » Et les gens entendent, ils sont impactés, ils sont ébahis parce que la loi décrivait la perfection. La loi était la loi qui a été transmise à Moïse, était une loi, une écriture et des principes donnés par Dieu qui étaient impossibles à atteindre, que seul Dieu pouvait atteindre. C'était le standard parfait de Dieu. Et Jésus dit, je ne suis pas venu tout saccager ça, au contraire, je suis venu l'accomplir parce que moi, je suis parfait. Et alors qu'il dit, je suis venu accomplir la parole des prophètes, les prophètes étaient là pour annoncer qu'il y avait quelqu'un à venir, le Messie à venir, un espoir à venir, une personne, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et Jésus dit, voici, je suis là, je suis le Messie, je suis Dieu. Mais qui est ce Jésus? Wow! Qui est ce Jésus? C'est impressionnant. Vous savez, nous, alors qu'on lit ce message, cette prédication de Jésus, on peut s'arrêter alors qu'il parle de Matthieu 5, les béatitudes, il commence ainsi son message. Heureux celui qui... Vous savez, aujourd'hui, chacun d'entre nous, la plupart, la grande majorité d'entre nous, on est à la poursuite du bonheur. On veut être heureux dans la vie. On veut juste être heureux. Il y en a certains qui sont un petit peu plus philosophiques, qui sont à la poursuite de la vérité. Mais même à ça, ils veulent savoir la vérité qui leur procurera du bonheur. Alors, la plupart d'entre nous, on recherche à juste être heureux dans la vie. Jésus connaît ça, alors il va vers Matthieu 5 et il commence. Matthieu 5, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est sur les Écritures? Sinon, si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi. Matthieu, chapitre 5, je vais aller le chercher moi aussi. Parce que c'est tellement magnifique. Je n'avais pas prévu d'aller le chercher. Matthieu, chapitre 5, verset 2, les béatitudes. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux sont ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous et soyez heureux car une magnifique récompense vous attend dans les cieux car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Son message nous choque. Heureux ceux qui sont tristes. T'es triste, t'es pas heureux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Son message nous choque, nous impressionne nous-mêmes lorsque tu médites sur ce passage, parce que ça défie tous les aspects de ma vie. Ça va à l'encontre du message et des principes que notre société met en avant-plan. Heureux ceux qui sont dans l'humilité, ceux qui sont... Mais qui est ce Jésus?
qui dit des paroles si impressionnantes. Tu veux savoir quoi faire pour être heureux? Suis les paroles de Jésus. Applique les paroles de Jésus cette semaine. Lis Matthieu 5. Lis les Béatitudes. Je t'invite à lire un verset par jour et juste réfléchir comment être heureux lorsque je suis dans les pleurs. Comment Dieu peut être mon consolateur lorsque je vis dans les larmes. Je t'invite à lire Matthieu 5. Si tu n'as pas de Bible, on va t'en donner une. Sinon, tu peux toujours downloader l'application Église Le Portail. Il y a une Bible dessus. À chaque matin, on va mettre sur notre page Facebook Église Le Portail Terrebonne, on va mettre un des versets pour que tu puisses t'en rappeler, pour que tu puisses le méditer au courant de la journée. Alors juste, mettons en lumière et en pratique dans nos vies les béatitudes. Amen. Vous savez, je prêche relativement souvent. Et lorsqu'on prêche, il y a toutes sortes de réactions dans la foule. Hein? Des fois, il y en a qui sont plus tranquilles, qui m'écoutent avec bonne attention. Hein? Des fois, il y en a qui s'endorment. Ça arrive. Des fois, il y en a qui me trouvent intéressant, qui trouvent ça intéressant, que c'est bon. Moi, je me rappelle à un moment donné, à la jeunesse, je prêche aux jeunes adultes, et à la fin du message, il y a un jeune qui, ça paraît que c'est une de ses premières fois, du moins, il vient me voir, puis il est comme, « Hey man, ton speech était écœurant, Max. » OK, c'est bon, c'est gentil, merci. Il y a toutes sortes de réactions. Mais la réaction que Jésus provoque lorsqu'il prêche, ça l'impressionne les gens, ça les met à terre parce que ça parle à leur vie. Même le texte nous dit « car ils parlaient avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi ». Leur prédication, sa prédication était différente que tout ce qu'ils avaient jamais entendu. Ils pouvaient dire les mêmes mots qu'un autre avait dit auparavant, mais là c'était différent. C'était différent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être, messieurs, de dire quelque chose à votre épouse et que ça passe pas. Ça passe pas, non, c'est pas vrai, non, si, ça passe pas, non. Et quelques jours plus tard, entendre un ami ou une amie ou ses parents dire la même affaire, la même chose à ton épouse, et pourtant, là, la réaction est totalement différente. « Hey, t'as bien raison. Hey, c'est vrai que je suis le même. Hey, c'est vrai ça. Hey, c'est vrai qu'on devrait faire ça. » J'ai dit la même chose! Mais ça provoque totalement deux réactions différentes. Jésus avait les mêmes paroles, les mêmes textes, du moins, que les autres, que les spécialistes de la loi ou les scribes. Ça, c'était les prédicateurs de l'époque. Jésus avait les mêmes textes que les autres, mais il prêchait avec une autorité différente. Ça nous dit, lorsqu'on apprend, c'est que les spécialistes s'appuyaient sur des interprétations que d'autres avaient faites du texte. Il citait constamment ce que les autres ont dit de ce texte, ce que les autres ont dit de l'Ancien Testament. Et Jésus arrive et il va complètement faire ça différemment. Il disait, voici ce qu'un a dit, voici ce que l'autre a dit. C'est comme un peu dans une cour de justice. Hein? Il y a deux opposants, si on veut, et il y a deux avocats. Et il dit, voici mon client est non coupable parce que la loi dit que... L'article tel dit que, alors il est non coupable. Et l'autre avocat va dire, non, le client ou cet homme est coupable parce que l'article tel. Et les deux ont des lois. Les deux se basent sur ce qu'on dit à la loi. Mais Jésus, lui, dit totalement autre chose. Il dit, voici ce que la loi a été dit. Mais moi, je vous dis... Voici ce que la loi, mais moi, je vous dis avec une autorité, il amène sa justice, il va encore plus loin. Moi, je vous dis, il y a une fraîcheur, une autorité que personne n'avait jamais osé dire des choses ainsi. Comment peut-il oser? Il était Dieu. Et peut-être que dans ta vie, tu as reçu des paroles sur ta vie. Des gens ont dit des choses sur ta vie. Peut-être que des gens t'ont offert des solutions, ont offert des beaux principes à appliquer. Peut-être que tu as entendu des messages dans l'Église qui t'ont encouragé ou des messages même qui t'ont découragé, qui t'ont même blessé, que des gens ont dit des choses blessantes. Peut-être que tes parents t'ont répété des phrases qui ont formé ton caractère, mais d'une manière néfaste et blessée. Peut-être que tu as trop souvent entendu dire que tu étais une erreur. Peut-être que tu as trop entendu dire que tu n'étais pas assez bon pour...
J'aimerais te dire ce matin que Jésus a une parole, a quelque chose de différent à te dire. Jésus a quelque chose de différent à te dire. Il veut te dire que tu as de la valeur. Il veut te dire que tu l'aimes. Il veut te dire qu'il est mort pour toi. Il veut te dire qu'il est là à chaque jour qui passe. Il veut te dire qu'il est prêt à te relever, à se sacrifier pour toi. Il est là en toutes circonstances. Il y a des paroles de vie pour toi. Amen. Jésus a quelque chose de différent à te dire, quelque chose de pratique, quelque chose d'applicable. Il prêche la parole d'une manière tellement pratique. On le voit dans son speech, je prends rien qu'un exemple au verset 27 de Matthieu 5, il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Parce que lorsque les gens lisaient les Écritures et qu'ils voyaient « Tu ne commettras pas d'adultère », tout le monde se disait « Bon, c'est bon, ça va, je trompe pas ma femme, je couche avec personne, ça va, super, je commets pas d'adultère. » Mais Jésus dit « Non, non, ça c'est un beau principe large, mais voici, je vais l'appliquer à ta vie d'une manière très concrète, parce que l'adultère commence toujours par un regard qui est chargé de désir, un regard qui est mal placé, un regard qui est malsain. Alors il dit « Voici, tu n'as peut-être pas encore commis l'acte ou commis l'adultère, mais ça commence par un regard, il vient appliquer d'une manière tellement concrète, tellement directe, tellement vraie, tellement « Ah, ça fait mal !» Puis il dit « Voici ce qu'est le réel adultère. » Moi, je vous dis ça. C'est différent, c'est concret, ça vient directement toucher et avoir un impact dans nos vies, sur la vie du quotidien. Vous savez, je prends comme exemple, si admettons, on se met dans un scénario et ce soir, alors que tu rentres à la maison et finalement tu t'écrases dans ton sofa et tu ouvres la télé, il y a le bulletin de nouvelles. Et admettons que tu ouvres, et c'est un scénario évidemment, tu ouvres la télé et tu apprends qu'il y a eu une tragédie qui a pris place. Il y a un avion qui s'est écrasé en Roumanie et au travers de cette tragédie, il y a 60 morts. Oh, wow, wow, man, grosse tragédie, hein? Wow, c'est gros. Tu vas avoir une pensée peut-être pour ces familles. Si je change quelque peu le scénario et que tu rentres à la maison ce soir, tu regardes le bulletin de nouvelles et on annonce que, alors qu'un avion à l'aéroport de Montréal, Pierre-Éliott Trudeau, était sur le point de s'envoler, il y a eu des complications et finalement l'avion s'est écrasé, une explosion, et il y a 60 morts par cette tragédie. Wow! Ici à Montréal? Oh, est-ce que je connaissais quelqu'un qui prenait un voyage? Non. Je prie, peut-être même certains d'entre vous vont avoir cette réaction de prier pour les familles. Seigneur, console, sois avec eux dans cette tragédie. Wow! Et si je change quelque peu le scénario et que je t'annonce que ce soir, tu pars en voyage. Ce soir, mes amis, vous partez en voyage. Peu importe la destination et tu arrives, tu es rempli de joie avec ton passeport et tes bagages. Parce que tu sais que l'hiver s'en vient bientôt et trop bientôt. Et tu pars en voyage, et tu passes les gates, tu passes les barrières de sécurité, et tu arrives, tu es prêt à partir, et tout ça, ça s'en vient, et là, tu es dans la tente, et tout à coup, boum! Tu entends quelque chose, un bruit frappant, une explosion, ça vient te geler le sang, et là, tu es pris, tu vois la terreur chez les gens, tu paniques, toi aussi. L'impact est différent. Pourquoi? Plus la distance est loin, et plus la distance est rapprochée, plus l'impact est grand. Si c'est loin, l'impact sur ta vie est minible. Mais plus c'est rapproché, plus l'impact est grand. Jésus connaissait ce principe. Il dit, voici, les paroles des Écritures ne sont pas juste des principes lointains qui n'ont pas d'impact. Voici. Ensemble, je vais appliquer la parole d'une manière tellement proche de votre réalité, tellement on point, tellement sur votre réalité, tellement pratique, tellement concrète qu'elle aura et elle peut avoir un grand impact sur vos vies. La distance versus l'impact. Jésus parlait d'une manière à coller notre réalité et ainsi ça produisait un grand impact. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Mon dernier point ce matin, c'est et si nous appliquions ce que Jésus a dit. Et si nous appliquions ce que Jésus a dit, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre.
ce matin, durant cette thématique, on veut essayer de vraiment concentrer nos efforts pour avoir des messages plus courts et pouvoir vraiment aller dans la présence de Dieu ensemble, baigner dans la louange, dans la présence de Dieu. Dernier point, et si nous appliquions ce que Jésus a dit, Jésus va dire, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 26, il dit, celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Vous savez, la prédication de Jésus n'avait pas pour but de donner de l'information, c'était pas un bulletin de nouvelles. Il ne se satisfaisait pas de dire ce qui est vrai. Parce que c'est pas juste vrai, ça marche aussi. Ce que disait Jésus, c'est pas juste vrai, c'est que ça marche aussi. Il disait, voici ce qu'il en est de la vie, voici ce qu'il en est du royaume des cieux, voici ce qu'il en est du Père céleste. Mais ses paroles avaient pour but de produire quelque chose en nous. Ses paroles avaient pour but de déclencher la foi en nous. La foi en son nom, la foi en Jésus-Christ. Le message de Jésus, le sermon sur la montagne, termine avec une action. Une action concrète. Applique-le. Il a prêché. Donner des enseignements, parler à la vie des gens, parler à nos vies. Si tu lis Matthieu 5, il parle à nos vies. Matthieu 6, il parle à nos vies. Et il arrive puis il dit, voici par contre, applique-le, mets-le en pratique. Tu te demandes, est-ce que ça marche? Essaie-le. Essaie-le. Sans manquer de respect, mais Jésus me fait penser, alors qu'il dit ça, Jésus me fait penser à un bon vendeur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un magasin et le vendeur connaît beaucoup trop ses affaires? Il est vraiment bon. Chez Bro et Martineau, ils sont vraiment bons. Ils connaissent tous leurs modules, ils connaissent toutes leurs patentes, ils savent ça va marcher, ils savent lui, ah, moi, moins bon, ok, puis pourquoi, puis pour ci, puis tout ça. Puis ils savent toutes leurs affaires. C'est un bon vendeur, puis tu sors de là, puis t'es, ben oui, il a raison, ça a du sens ce qu'il dit. Il pourrait te vendre n'importe qui. Est-ce que ça faisait déjà, n'importe quoi, ça faisait déjà arrivé de croiser ce genre de vendeur? Puis Jésus parle, puis il dit, fais juste l'appliquer. Parce qu'il connaît sa marchandise, il connaît son produit, il connaît l'être humain. Puis il dit, voici, je connais l'être humain et mes paroles, si tu les mets en pratique, si tu l'appliques, ça va marcher. Ça marche. Suis-moi, ça marche. C'est pas juste vrai ce que je dis. Ça marche. Crois mes paroles. Mets-les en pratique. Ça marche. Je sais qu'il peut y avoir des difficultés. Le vent souffle. La pluie tombe. Le vent souffle avec violence. Le vent souffle. Les épreuves, les difficultés, les défis soufflent sur la maison du sage, du juste et sur la maison du fou. Mais il dit, il y a une maison qui par contre résiste, c'est celle qui s'appuie sur le roc, celle qui se bâtit sur mes paroles, celle qui me font confiance. Les paroles de Jésus ne servent pas seulement à ce que tu les apprennes des choses, mais à ce que tu les vives. Que tu agisses en conséquence de ce que tu lis, pour que tu crois, que tu appliques, que tu vives ce que tu lis. Pour que ce que tu lis produise un changement dans ta vie. Et si nous appliquions ce que Jésus a dit? Et si c'était vrai? Et si ça marchait? Et si ça l'amenait vraiment le bonheur? Souvent, j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, on est trop habitués à ce que Jésus a dit. Et même parfois, on lit les Écritures ou on les lit même pas, on les écoute le dimanche matin, puis on se dit, ah, c'est une autre affaire que Jésus a dit. Mais si on recherchait, même durant la semaine, à voir et comprendre, et surtout vivre ce que Jésus a dit, à quoi ça ressemblerait? Alors que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que je pourrais marcher dans mon quotidien sans mes mille et une inquiétudes, sans ce sentiment de solitude,
sans cette peur d'être abandonné par les gens de mon entourage ou mon conjoint, ma conjointe tout le temps, ou peur de cet abandon, d'être laissé tomber par des gens parce que Jésus est avec moi. Et si nous marchions avec cette conviction lorsque Jésus dit « Lève-toi et marche » et qu'il guérit des gens, et si on appliquait, on vivait avec cette croyance, cette ferme foi et assurance que Jésus a cette capacité de guérir, Jésus a cette capacité d'enlever la maladie. Cette semaine, mon épouse m'a partagé, il y a une jeune femme que je connais qui a écrit son témoignage, son histoire, et cette jeune femme est en ce moment en train de lutter contre un cancer. Elle a 29 ans. Et au travers, son cancer, je ne connais pas tous les détails, mais déjà, elle s'est fait opérer, enlever un ovaire. Et là, l'année dernière, je crois, il devait enlever le deuxième ovaire et toute la patente. Et elle s'est fait dire à 29 ans, voici, en ce moment, tu luttes contre un cancer, mais même si tu t'en sors vivante, tu ne pourras pas procréer, tu ne pourras pas avoir d'autres enfants, alors qu'elle a déjà un petit garçon de 2 ans, mais qu'elle avait le désir d'en avoir d'autres. Voici, tu ne pourras pas. Puis elle dit, « OK, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour mon cancer. Je te fais confiance. » Et elle sort de l'opération et effectivement, elle tombe en ménopause à 29 ans. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir et tout ça. Et tranquillement, elle commence à faire confiance à Dieu et elle reçoit une parole dans son cœur et toutes sortes d'événements qui se passent. Et elle commence à avoir cette pensée que Dieu veut la guérir. Puis elle dit, « OK, Seigneur, je te fais juste confiance. Je te fais juste confiance. Je te fais confiance pour mon cancer. Je te fais confiance pour mes ovaires et tout ça. Et je te fais confiance. » Et finalement, à la fête des mères de cette année, ou l'année dernière, au courant de l'année dernière, elle a commencé à avoir ses règles, à tomber dans sa semaine, ce qui n'est pas possible quand tu es en ménopause. Elle commence à avoir tout ça de symptômes et tout ça, et tranquillement, elle va revoir son médecin pour apprendre à la fête des mères qu'elle avait ses ovaires. Et que tout était en place et qu'elle allait pouvoir avoir des enfants. Mais elle a eu l'opération à ses effets enlevée. Et là, le docteur regarde les images, le docteur confirme que effectivement tout est là, tout est en place. Tu es comme une jeune femme prête à avoir des enfants comme n'importe quelle jeune femme à 29 ans. Et là, Sarah me raconte l'histoire et je suis allé le lire même. Et wow! Quel miracle! Wow, quel miracle! C'est incroyable, c'est étonnant. Sarah me disait, c'est fou parce que on est surpris, on est comme impressionné par le miracle. Et pourtant, est-ce que ça ne devrait pas être notre quotidien de voir Jésus, de voir Dieu qui agit, qui fait des miracles et qui parfois il le fait et parfois ne le fait pas? Mais de juste dire, Seigneur, tu es le Dieu qui est capable de faire des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui est capable. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Alors, oui, cette femme-là a des... Gloire à Dieu! Ça fait partie de notre quotidien de croyant, de croire en un Dieu qui fait des miracles. Alors, pourquoi pas? Et si nous marchions avec cette conviction lorsque Dieu dit, lève-toi et marche, lorsque Dieu dit, je suis le Dieu de miracles, si nous marchions avec cette conviction lorsque Jésus dit « N'aie pas peur », est-ce que tes insécurités quitteraient ton cœur alors que tu as peut-être des peurs, des craintes, tu ne sais pas ce qui va arriver devant toi, la prochaine étape, les prochaines saisons, alors que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », alors que tu es fatigué, tu n'es plus capable, alors que tu penses peut-être même être dans commencer une dépression, alors que tu... Et si Dieu voulait marcher avec toi à chaque jour et que nous marchions avec lui avec cette conviction que ce qu'il dit, il est ce qu'il dit être et il fera ce qu'il a promis de faire. Amen.